out of this seat. So sad to know the same part of man is responsible for it. What will you stand to gain when you break the hearts of others? Those who love and care for you. Don't play with a heart and give yours to another. Don't raise the hope and you leave them hopeless. Don't act so pure. Es-tu aveugle ? Peux-tu voir correctement ? Désolé. Ne me touche pas. Es-tu désolé ? Tu as ruiné ma robe et tout ce que tu dis, c'est que tu es désolé. J'ai dit ça réglerait souci. Je sais que cela ne résoudra rien, mais c'est la première chose à dire. Je suis désolé pour ça. Désolé. Et tu veux que je sorte là-dedans ? Je trouve, donne ta taille, pas ce que je veux dire. Que faire maintenant ? Ma taille est 10. Pouvez-vous vous asseoir ? Je vais chercher. Oh mon Dieu, attendez un instant. Avez-vous de l'argent sur vous pour que vous puissiez me chercher quelque chose d'autre ? Pas de souci, je m'occupe. Il serait préférable d'agir rapidement. Je suis désolée. Allez-y. Allez-y vite. Désolé, mec. Je l'ai compris. Tu es ici. Il pourrait vouloir essayer ça. Comment saviez-vous que c'est ma couleur, préf ? Je ne savais pas. Je viens de deviner. Toilette là-bas. Essayez. Si ça ne va pas, je le retourne. Déjà rendu. Ok, c'est bon. Je vais essayer. Je reviens. D'accord. Merci. Alors, pourriez-vous me dire combien coûte cette magnifique robe ? Non, laissez tomber. C'est bien. C'est bien ? Tu es un homme pauvre. Alors, tu veux dépenser ce que tu gagnes en un mois comme ça ? Eh bien, je suis aussi un homme et je peux tout arranger. Voulez-vous commander maintenant ? Je ne vais pas bien. Je vais m'asseoir. J'attends quelqu'un. Voulez-vous asseoir là ? Non, ici bien. Attendez, désolé. Ouais. Votre nom, Syl? Baiser. Oh, Baiser. Désolé pour mon manque de politesse. C'est bon. Je veux dire, c'est ma faute. Désolé. Boire à la maison. C'est bien, merci. Voulez-vous un sac? Non. D'accord. When you break the hearts of others, those
salut. Quel est le problème avec votre voiture? Je pense que l'allumage ne fonctionne pas ou autre. Appelez le garagiste? Il ignore ses appels. Peut-être il n'est pas avec son mobile. Vous les tentez? Oui, pourquoi? Merci. Problème batterie, lumière ne s'allume pas. Je l'ai dit, je le savais. Où est-elle? Quadrat. C'est. J'ai besoin d'une pierre. Permettez-moi de voir, s'il vous plaît. Une seconde. J'ai besoin de quelque chose. Tu sais quoi? Je comprends. Je vais simplement faire un essai de la voiture maintenant. Je veux juste voir comment elle se comporte intérieur. Sur la route. Pilote. Bonjour. Oui, ça va bien? C'est bon. Peut-être voir mécanicien pour qu'il puisse bien serrer. Je n'ai pas pu le serrer avec mes mains. Waouh! Ouais. Merci beaucoup. C'est. Je veux dire, comment tu sais réparer toutes ces choses? Vous n'avez même pas de voiture. Histoire longue. Vraiment? Ouais. Peut-on s'asseoir plus tard pour discuter de toute façon? Bien sûr. Pourquoi ne pas? Sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same. Quels sont tes projets futurs? Salut Steve, ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Comment se passe ta journée jusqu'à présent? Hey! Certains gars fauchés sont vraiment adorables à en mourir. Vraiment? Vous n'avez jamais été fan des gars fraternels. Alors, comment as-tu été en contact avec celui-ci, grande sœur? Après tout ce que j'ai traversé, aux yeux de tous ces garçons maigrichons. Ah, j'aime essayer de nouvelles expériences. J'aime essayer de nouvelles choses. Fin! Vous voulez essayer, les garçons gok? Je suis de cela. Allez maintenant, ma sœur. Je souhaite rencontrer quelqu'un qui m'aimerait de tout son cœur. Chérie, c'est moi. Quelqu'un d'unique, quelqu'un qui prendrait soin de moi, émotionnellement, quelqu'un de différent des garçons chanceux, habituels et spéciaux. Tu sais, grande sœur, parle-moi. Je veux dire, si tu fais une erreur, dis-le-moi. Conseillez-moi. Non. Je pense que c'est bien. Fais simplement ce que ton cœur veut. Moi aussi. Partout où je trouve l'amour, je me sens vraiment bien. Ou plus. Au moins j'oublie. Et qu'en est-il de Mike? Mike! Tu me dégoûtes. Ils sont tous les mêmes, ma chère sœur. Tous identiques, tellement désolée. C'est là-bas. C'est OK. Ou bien John, Peter, Paul, je peux continuer et continuer sans fin, sans jamais m'arrêter. Quand vous pensez avoir trouvé la bonne personne, boum, ils révèlent leur vrai caractère. Tu sais quoi? Je suis fatiguée des drames des grands garçons leaky. J'en ai marre. Je veux un homme à moi, un homme avec qui je peux m'entendre. Comme je pense que j'ai peu à lui préparer pour l'instant. Donc, je choisirai un homme qui est à moi, pas un homme du peuple. Bonne chance, sœur. Bonne chance. Merci, mon chéri. De rien. Bonne chance aussi. Merci, ma sœur. Au fait, quoi? Je pense avoir rencontré quelqu'un aujourd'hui. Vraiment. Ouais, je ne peux pas aimer sa personnalité. Oh mon Dieu, 6. Ah ouais, ça me rappelle. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui pendant que j'essayais d'abandonner ma voiture. Quel mec est si mignon. Vraiment, vraiment mignon. Mais bon,
Laisse-moi y aller, Fray. Toi et les mecs mignons. Je te souhaite bonne chance, mon chéri. Laisse-moi y aller me rafraîchir. Je te parlerai plus tard. So sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same. Terrorisme rituels. Oh, comme le terrorisme, les rituels. Je ne le fais pas. Es-tu sûr? Je veux dire, tu viens de dire que tu fais tout. Ouais, emploi subalterne, jusqu'à un truc plus grand arrive. Quelque chose de plus grand, comme... Poste cadré. Oh, attendez. Tu es diplômé? Mire classe éco. Waouh, c'est incroyable. Merci. De toute façon, j'ai un ami à moi, tu sais, un père qui possède une entreprise multinationale et qui vaut des milliards. Un emploi payant là-bas, n'est-ce pas? Waouh, merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. Elle n'a pas encore dit oui. Eh bien, l'intention est bonne. Je devrais au moins apprécier ça. D'accord. De rien. Merci. Tu sais que tu es beau? Ouais, je suis fauché aussi. Je veux dire fauché, oui. D'accord. S'il vous plaît, pour la Saint-Valentin, je t'emmène à mon bureau. N'oublie pas d'acheter des cheveux pour cette occasion spéciale. Cela ajoutera une touche supplémentaire à notre journée ensemble. Bonsoir. Bonsoir. SVP, je suis là-bas. Il a démissionné, madame. Je l'ai vu ici récemment. Il a démissionné, pas ce mois. Oh, waouh. J'espère qu'il n'a pas de problème. Comme ça, il n'a de problème avec personne. Non, non. D'accord. Merci. D'accord, madame. S'il vous plaît, excusez-moi. Je suis désolée de vous déranger. Mais avez-vous ces coordonnées? J'espère pas de soucis. Oh non, non, pas de soucis. Soyez tranquille, juste un ami. Oh, d'accord. D'accord. Merci. Oh. D'accord. Pas d'intello, je ne pense. Tu as oublié cette expression précise, celle que je t'ai dit. De toute façon, tu es l'homme. Je ne peux pas te forcer, tu sais, à faire ce que tu veux faire. Donc, tout dépend de toi. Désolé, je l'ai compris. Bien sûr, allez-y. Bonjour. Excusez-moi, pouvez-vous me dire qui vous êtes? C'est Khaled, la dame que vous avez déshabillée l'autre jour au restaurant. Salut, maman. Je vais bien, toi aussi? Je suis allée au restaurant et quelqu'un m'a dit que tu as démissionné de ton travail. Est-ce que c'est vrai? Oui, je l'ai. D'accord. Est-ce que je peux te voir aujourd'hui? Je ne suis pas disponible pour le moment. Peut-être une autre fois. Ok, c'est bon. Je te rappellerai plus tard. D'accord, au revoir. Si je peux me permettre, qui était-ce? C'était un client, en effet. Client. Santé, santé. Désolé, chérie. Une erreur. Je ne savais pas pourquoi. Désolé. Erreur. Désolé. Ne se reproduira plus. Quels autres mensonges, Mike? Eh bien, tu sais quoi? Je suis déjà fatiguée. J'ai avancé. Vous feriez mieux de faire de même. Tout ce que je dis maintenant, ou vais dire, pas de mensonges. Je suis désolée, ma chérie. Franchement, ce qui s'est passé était une erreur. Pardonne-moi, ma chérie. Tu sais quoi? Je ne peux pas donner mon cœur à une bête pour la deuxième fois. J'ai fini. Et s'il te plaît, Mike, ne me revois jamais. Bébé, je suis désolée. S'il vous plaît, s'il te plaît. Mike,
Je t'ai autorisé chez moi pensant que tu avais quelque chose d'important à dire. Mais je peux voir que tu es si sans emploi. Sors de ma maison. Bébé. Mike, ma maison. Bébé. Of the sea, so sad to know the same part of man is responsible for it. What will we stand to get when you break the hearts of others? Those who love. Veuillez me permettre d'entrer, s'il vous plaît. Bonne pensée. Vas-y, continuez d'insister. Entrez là-dedans. Bienvenue chez moi. Pas mal. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment d'une beauté incroyable. Merci. Vous n'avez pas de quoi. Es-tu certain de ne pas simplement dire des choses pour, tu sais, me faire sentir mieux? Arrêtez, je constate les faits. Pardon, asseyez-vous. Que puis-je offrir? Es-tu certain de pouvoir me donner ce que je souhaite? Eh bien, je vais essayer autant que possible. Alors, tu veux dire que tu as la capacité de satisfaire toutes mes demandes? D'accord. Hey, Seigneur O'Gallan, et locataire. Oui? Evening, sir. Qu'est-ce qui est bien? Vous avez dit que je devrais vous donner 3 mois pour payer mon loyer. Je sais que j'ai demandé 3 mois, maintenant je demande du temps. Pouvez-vous demander un peu de temps? Vous n'avez pas beaucoup de temps. Maintenant, tu écoutes. Vous quittez mes locaux dans 24 heures. Si ce n'est pas le cas, je te déshonorerai dehors. 24 heures. Oh, Seigneur, s'il te plaît. S'il vous plaît, quoi? Non, s'il vous plaît. 24 heures, bonjour. Pensais que tu dormais encore? Je m'apprêtais à partir. Quel est le souci? Il n'y a rien que je ne sois capable de gérer. Bébé, j'insiste. Je peux m'en occuper. D'accord?
Loyer coût. Pouvez-vous écouter notre conversation à... Bébé, allez. Vos voix étaient assez fortes pour que tout le monde puisse les entendre. Uniquement 1 million de naira. Mais je le trouverai coûte que coûte. 1 million de naira. Quelle méthode avez-vous utilisée pour payer votre loyer précédent? Je suis là depuis 3 ans. Je travaillais dans une bonne entreprise, mais la mauvaise gestion a tout gâché. Waouh, d'accord. Tu sais quoi? Je vais vous envoyer l'argent plus tard aujourd'hui. Es-tu sérieux? Merci. Pas de quoi. Alors dis-moi, es-tu dans une relation sérieuse? Sais-tu ce que c'est? Sois honnête avec moi. Je n'allais pas mentir. J'ai été surpris de ta question. D'accord. Parce que honnêtement, j'ai ce sentiment que peu importe combien tu m'aimes, ta situation financière pourrait peut-être... Mais à propos de ce que tu as fait l'autre jour, tu as occupé une place spéciale dans mon cœur. Et j'ai pensé à toi. Donnerons-nous une chance? Bébé. Bébé, quelles sont les bonnes nouvelles? J'ai réussi à obtenir le poste. Ah, j'ai réussi. Oh mon Dieu, j'ai eu le poste. Oh mon Dieu, je suis tellement heureux. Merci à toi. Bonté, je suis tellement excitée pour toi. Tu le mérites. Allez. Eh bien, je n'aurais pas pu obtenir cela sans votre recommandation. Donc merci à toi et à tes amis. Dieu te bénit. De rien, bébé. Merci beaucoup. Je descends de terre. Allons-y. Entrez. So sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same part of man is responsible for it. What will we stand to get when you break the... Come in. Mon enfant est de retour. Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué. Je suis si heureux de te retrouver. Tu m'as également manqué. Alors, au final, as-tu terminé? Enfin, j'ai terminé aussi. J'espère laisser vos soucis. Sœur, je suis adulte maintenant, tu vois? Ne perçois-tu rien, mon ami? Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Où est Violette? Je pense qu'elle est à l'étage. Parler du diable. Mon tendre et précieux bébé, tu es la lumière de ma vie. Ma source de bonheur infini. Je t'aime plus que tout au monde. Maintenant que vous avez terminé votre année de service, où aimeriez-vous travailler? Travail? Je ne suis pas intéressée par le travail. Cette fille? Attends, veux-tu créer une entreprise pour l'appeler comme moi? Non, je vais continuer à influencer comme je l'ai déjà. Attendez, influencer. Vous ne voyez pas l'influence comme une carrière. Les personnes encaissent dans cette influence. Vivre confortablement. Je dois juste me noter et faire partie des 3-5 influenceurs les plus importants au Nigeria. Quoi? C'est fini. Allez-y, c'est ma sœur. Donc, cette année sera comptabilisée comme une année de service pour vous. Est-ce que c'était stressant, amusant, intéressant, tout simplement génial? C'était stressant, c'était amusant, mais j'ai fait des amis. Fais-moi confiance, j'en ai. Oh, ouais. Assez de tout ça. Que veux-tu manger? Quoi? Je t'en prie, repose-toi. Laisse-moi entrer et te préparer quelque chose de fantastique. Donc c'est moi! Elle est aussi moi!
Embrasse-moi. Alors, quel mois est ton anniversaire? Octobre. Octobre. Quelle date? 13e. Très bien, oui. Vous êtes un balance. Tu es mon premier homme balance dans ma vie. Attendez, c'est dans Sem. Oui, juste au coin de la rue. Ne me le dis-tu pas? Elle ne l'a demandé. Dois-je tout te demander pour que tu me le dises? Bébé, je ne veux pas te stresser. Ça te convient? Ai-je plaint? Tu n'as pas plaint, je ne voulais pas te stresser. D'accord, alors dis-moi, comment voulez-vous la fête? Vous voulez que cela soit élaboré? Amis et famille? Juste nous deux? J'ai préféré... It's so sad to see the heart melt of the sea. Quelle direction prendre? Gauche ou droite? Que dois-je faire maintenant? Ok, vous pouvez les ouvrir à présent. Aujourd'hui, c'est son anniv. Il joue avec mes émotions ou autres. Calme-toi. Ne nous y rendons pas. Rassemblez-vous d'abord maintenant. Son anniversaire. Il doit m'appeler, pas moi. Pas l'inverse. Je veux dire... Je suis absolument certain que je suis en train... Regarde, il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Pourquoi ne te prépares-tu pas et ne vas-tu pas chez lui au lieu de spéculer ici? Je suis d'accord avec toi. Je pense que tu as totalement raison et que tes arguments sont justes. Bien sûr. Grosse salope. It's so sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same part of man is responsible for it. What will we stand to gain when you break the hearts of others? Those who love and care for you. Thank you.
Que fais-tu avec mon partenaire amoureux? Tu dois être très très stupide. Tu te tiens devant moi pour revendiquer mon homme. Il est mon homme et il m'appartient exclusivement à moi. Maintenant, je peux voir que tu es très très stupide. Écoutez-moi. Restez loin de Kaise. Je ne veux plus jamais me répéter. Restez loin de Kaise. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce qui se passe exactement? Qui est ce Kaise dont vous parlez et quel est son lien avec vos combats? Mon copain à moi. Quelle est la distance que tu as parcourue? Ne te regarde pas toi-même. Qu'est-ce que c'est ces pas? Ils sont partis d'ici ensemble, mais je suis très certain qu'ils reviendront pour moi. Dans ce cas, je dois jouer en sécurité. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est une plaisanterie sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère. Sérieux. Quand tu jouais avec deux grandes filles, c'était une blague. Je te l'ai prévenu? Je t'avais pas prévenu. Ou est-ce parce que tu ne sais pas aimer? Je sais pas. Comme dans certains films où un homme joue simultanément les rôles de deux sœurs. Non, c'est bel et bien mon homme. Je suis convaincue qu'il ne peut pas me tromper. Ce n'est pas possible. Non, ma sœur. Et sœur Scarlett, comment ça va? Je dois m'en aller et le voir. Je suis complètement perdue et ne sais plus où j'en suis. Je pense que je deviens fou. Je dois y aller et lui demander. Je dois confirmer. Prends du recul et réfléchis à... J'ai peur. Quoi? Taisez-vous. Tranquille et garde ton calme. Ne me dis pas de me calmer. Je ne veux pas le perdre. Pourquoi ma sœur est-elle ici? C'est ta frangine. Maintenant, tu sais, tu peux commencer à parler. Elle est juste une amie. Quoi? Un baiser? On potait. Et toi? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je suis curieux de savoir. Je suis perdue. Je suis chez mon homme. Indirectement, je suis dans ma maison. Vous voulez dire la maison pour laquelle j'ai payé un loyer? Kaise? Dit-elle la vérité d'une quelconque manière? Pas besoin de lui poser. Pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Ceci est ma maison. Laissez-moi du temps privé avec mon homme. Sors de cette maison. Dors maintenant. Quittez. Sors de cette maison. Sortez immédiatement. Quittez immédiatement la pièce. Faites attention aux chats qui sont dehors. Faites attention à la saleté qui se trouve par terre.
C'était une merveille. Tout simplement, vous ne voulez pas avoir votre amie à vos côtés. Que lui dire? Elle prétend être ta sœur aînée. Je ne veux pas créer de conflit entre vous. Je ne sais pas comment elle te traiterait en cas d'entente. Elle pourrait te battre. Tu ne savais pas qu'elle est ma sœur. Comment savoir si elle est ta sœur? Suis-je toi? Ce n'est qu'une simple excuse. Tu le sais très bien. Tu étais censé me tromper dès le départ de notre relation. Je ne t'ai jamais trompé. Je ne te tromperai pas, d'accord? Elle se précipitait sur moi. Elle s'est précipitée vers moi pour me donner mon cadeau d'anniversaire et m'a embrassé avant que je ne sache quoi que ce soit. Je n'allais pas embrasser en retour. J'essayais de revenir sur le point que je voulais dire quand tu es venu. Je t'aime, Cass. Je le fais vraiment, vraiment. Et je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas. Je t'aime beaucoup. Oui. Si tu m'aimes vraiment, je veux juste une faveur. Juste une faveur. Renvoyer simplement les cadeaux d'anniversaire. Si tu m'aimes vraiment pour tout ce qu'on partage, rends-le. Madame, nous vous donnerons. Regarde, j'essaie de me reposer. Cela a été une longue journée, d'accord? Donc, tu es venue chez mon homme. Tu m'as embarrassée. Ta sœur est née. Et tu me dis de ne pas te déranger. L'audace. As-tu dit ton homme? Tu m'as bien entendu. Ton homme. Après avoir essayé de me le voler avec un putain de cadeau de voiture. S'il vous plaît, restez simplement loin d'ici. Non! Nous sommes avec vous! Laisse juste mon homme tranquille! Prenez-vous! Vous êtes un homme! Prenez soin de vous! Je m'occuperai de vous! Calme-toi! Ne dis rien! Cette fille est bête! Tu es un imbécile! Sors d'ici! Laisse-moi seule! Je m'occupe! Sors! Est-ce ta sœur stupide? Je vais m'occuper d'elle. Elle est idiote. Pour ton esprit, mec. Pensez ne pas conquérir. Qu'est-ce que tu dis à Scarlett? Qu'est-ce que vous préférez, sa sœur? Je suis dans un dilemme sérieux, mec. Je veux la voiture autant que je veux le travail. Je ne veux en perdre. Tu es avide. Tu sais? Ouais. Mes sœurs, je regrette mes actions. Je souhaite que tout cela ne se produise pas. Que d'un entre eux aimes-tu le plus? Non. Je pense pas être autant investi émotionnellement pour commencer à penser à une relation sérieuse maintenant. Entre Redigo, et tu étais occupé à profiter de leurs avantages. C'est toi qui joues. Je ne suis pas un joueur. D'accord? Regarde, je suis juste un jeune homme avec des problèmes financiers. Une opportunité se présente. Que faire? Verrouillez-la? Allez, les gars, vous n'avez aucune raison. Vous n'avez aucune raison justifiable de mener deux belles filles en bateau. Sans avoir de sentiments pour aucun d'entre eux. Je veux dire, tu n'es pas différent des stars de devant? Tu viens de le dire. Belles filles, non? Ce sont de belles filles. Tout homme sensé les verra et sautera sur elles. J'ai fait pareil. Je pensais développer des sentiments pour eux en chemin, mais tout s'est passé vite. Tu sais quoi, Kez? Je ne vais pas te juger. Je vais juste te laisser décider. Tu es un homme. Fais ce que tu penses.
Je l'adore. Je peux pas être fâchée avec lui. Je veux qu'il soit à moi seule. Je ne peux pas me permettre de le perdre, non. J'ai perdu tellement de relations précieuses. Amour doit être combattu. Je ne perds certainement pas celui-ci, non. Au revoir. Je le garde. Je peux voir l'enfant que j'ai vu grandir devenir l'homme que je veux. Oh non, pas du tout. Pas ce fou, pas moyen. Allez-vous rendre la voiture comme elle l'a demandé? Un simple oui ou non fera l'affaire. J'ai l'auto. Et moi? Tu n'as pas besoin de moi également? S'il vous plaît, ne dites pas non, je t'en prie. Tu vas me blesser. Je t'aime. Tu ne m'as pas fait l'amour longtemps. Fais-moi l'amour. Tu verras combien tu m'aimes. S'il vous plaît. Bonjour, Zach. S'il vous plaît, où êtes-vous? D'accord, continuez à descendre. Tu me verras. Je me tiens debout devant mes portes. Ouais, venez simplement. Attendez. Continuez à venir. D'accord, ce n'est pas quelque chose que j'aime, tu sais. Vous auriez dû m'avertir. Madame, je veux faire pipi. Et ne perdre pas le temps. SVP, faites vite. Ton sac et ton téléphone. Sauf, ne tirez pas. Arrêtez.
qui meurt. J'ai trouvé une fille inconsciente dans la rue. Elle a été volée et je l'ai secourue. Je pensais l'aider. Votre fils était encore en route. Tu l'as ramené. J'ai un ami médecin. Tu as risqué ma carrière. Vous avez ramené une victime de vol chez moi. Où est-elle? Elle ne risque rien, ok? Pas de blessure par balle, malaise dû à l'anxiété ou autre chose. Allez. Salut, sister. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie en ce moment? Réussi à la joindre? Pas encore, j'ai testé. Oh mon Dieu. Attendez, laissez-moi tester. S'il vous plaît. Ça sonne ça? Détends-toi, ça sonne-t-il. Où est-ce qu'elle pourrait être? Je ne peux pas la joindre. Oh mon Dieu! S'il vous plaît, appelez-la. Essaye. Que faisons-nous? J'étais sauvé hier soir. Et j'ai réagi instinctivement pour te protéger. Ouais, c'est ce qui s'est déroulé. Je t'ai emmené ici pour que mon ami médecin puisse te faire une consultation. Merci beaucoup. Et je suis désolée pour tout à l'heure. Je viens de me réveiller dans un espace inconnu et mon premier instinct a été de me défendre. Je comprends totalement. Puis-je rentrer chez moi maintenant? Bien sûr. Si tu n'es pas pressée, je peux me préparer pour le travail et te déposer en chemin. Ça ne pose aucun problème. D'accord. Ouais, 5-10 minutes maximum terminé. D'accord. Vous voulez petit-déj? Non, ça va, merci.
Si la cuisine est juste là, si vous avez besoin, juste. D'accord. De rien. T'es en sécurité, d'accord? Ouais, profitez du reste de la semaine. Idem. Où as-tu été? On s'est inquiété pour toi. J'ai été volée hier soir avec une arme. Oh mon Dieu, ça va? Ça va? Je vais bien. Je vais bien. Un bon samaritain m'a sauvée. Oh mon Dieu. Sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Oh mon Dieu, est-ce que ça va bien? Désolée, je vais bien. Veux-tu manger? Je peux trouver à manger. Oui, je dois me reposer. D'accord, allez-y, excusez-moi. Connu dans la voiture déjà? Dois-je rendre la voiture? T'es plus souvent en voiture que moi. Souvenez-vous, observez, je veux dire... Vous savez quoi? Oh, s'il te plaît, épargne-moi cette explication de merde. Parce que tu n'es pas censé conduire la voiture de ma grande sœur. Pourquoi utilisez-vous? Tu sais quoi? Je vais simplement vous donner ma voiture, vous savez, pour aller travailler pour le moment. Votre voiture, pas la mienne. Et vous? Pourquoi me fais-tu sentir comme si tu étais en train de chercher de l'or? Je ne suis pas une chercheuse d'or, d'accord? Je ne suis rien comme une chercheuse d'or. Je veux dire, j'ai reçu un cadeau de la part de quelqu'un, d'un ami. Elle m'a offert un cadeau pour mon anniversaire. Dois-je le retourner? Baiser. Tu me mets à l'épreuve. Vous me testez la patience. Non. Je vais le récupérer. Que fais-tu ici? Tu nous fais seulement honte. Que fais-tu dans la maison de mon homme? Vous savez que vous devriez demander la permission pour être ici, n'est-ce pas? Pour venir chez mon homme, tu ne penses pas? Je viens de dépenser des millions pour lui acheter une nouvelle voiture. Ça peut avoir une meilleure maison. Dégage de mon chemin, je ne suis pas là pour te voir. Tu te mets en travers de mon chemin. Sortir. 10 personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me touche pas. Ne me touche pas. S'il vous plaît. Ne me touche pas, putain. S'il vous plaît. 10 personnes. Vous deux. Partez immédiatement. Partez. C'est bon maintenant. Partez maintenant. Maintenant. Sortir. Sortir. Stupid. Un mot pour toi, petite fille stupide. N'oublie jamais ce qui s'est produit chez Casey aujourd'hui. Sinon, je vais oublier que tu es de ma famille. Et faire exactement quoi? Frappe-moi? Oh non, chérie! Je ferai quelque chose de pire que ça. Fais-moi confiance. Je ne veux pas te voir à Casey. Ne me laisse jamais me répéter. N'as-tu pas honte? C'est ta honte de courir après l'homme de ta petite sœur. Le temps n'est plus de votre côté. Elle, tu sais, le temps n'est plus de votre côté. Fille folle, tu es fou.
Vous voulez voir du fou? Apporte-le, fille. Apporte, fille. Je vais conclure cette affaire avec toi. Je vais conclure cette affaire avec toi. Je vais te battre. Pouvez-vous vous arrêter? C'est vraiment ridicule. Tu sais quoi? Juste, j'ai entendu. S'il vous plaît. Oui, bien entendu. Quoi faire? Quelque chose. Quelque chose? Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Je suis revenue pour te remercier à nouveau, mais surtout pour obtenir ton numéro. J'ai un nouveau téléphone génial, et des personnes comme toi sont rares à trouver. Je suis encore plus reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de t'aider et de te dire merci. Eh bien, je suis plus reconnaissant d'avoir pu aider et remercier Dieu. Cela, c'est avec positif. Ouais. Cela aura peut me causer des ennuis si les choses se... Le numéro. Ouais. Ouais, je pensais que tu dirais moi aussi. Merci. Qu'est-ce que merci? Tu devrais dire que tu es beau aussi. Ok, tu es aussi très beau, belle. Non, mon beau jeune homme. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'étais là avant toi. Je mérite respect. Laissez finir. Comme je suis venue avant toi, je mérite du respect que je n'ai pas encore obtenu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu me pousses.
tu me pousses. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? T'es minuscule, rien à faire pour toi. Excuse-moi. Je ne voulais pas que nous nous séparions. Vous êtes censé être celui qui nous protège et nous rassemble constamment. Est-ce tout ce que vous avez à dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que Violette est notre sœur. Elle est votre petite sœur. Vous devriez faire attention à elle et ne pas vous battre avec elle pour un homme. Elle a licence pour me défier, non? Elle doit me respecter. Ensuite, je peux la protéger. Ces problèmes, vous pouvez les résoudre amicalement. Savez-vous depuis combien de temps j'ai essayé? À toi, alors essayez plus fort. Dites tout cela à elle, pas à moi. Pourquoi ne la laisses-tu pas la voir? Après tout ce que j'ai investi en lui, seule Scarlett devrait se désister. Pas moi. Elle est ta sœur. C'est pourquoi elle doit être mère et se retirer pour que je gagne. En effet, à juste titre, elle est l'aînée. Elle devrait se marier avant nous. Quoi? T'as pensé, c'est ça? Pas de file d'attente. Les dépassements sont autorisés. Tu vas continuer à te battre pour lui? Si seulement elle devenait raisonnable à propos de cet homme pour lequel vous faites toutes ces choses, est-ce qu'il vous estime au moins? Oui, il le fait. Il m'aime. Mais Scarlett ne lui laissera pas une minute de répit. Regarde, je veux qu'on ait la paix. Revenir à la normale. Fatiguée des disputes. Eh bien, va lui parler, si elle t'écoute attentivement. J'ai confiance en toi. Tu as? Et elle t'a pas écouté? Penses-tu que je serai celui qui prendra la chute? Non, jamais. Tu as rencontré une autre fille et maintenant tu es amoureux d'elle. Je ne peux pas m'occuper de ces filles. Ils rappellent toujours leur bonté envers moi. Comme si me possédant. Oncle? Eh bien, je veux une femme qui m'aimerait et me chérirait. Une femme qui me permettrait d'être son homme. Je ne veux pas d'une femme qui pense qu'elle me contrôle. Sachez qu'ils ne l'abandonneront pas facilement. Jamais. Soit-il. Tout peut me voler. Retour à la pauvreté, nouveaux gays peuvent déplaire. S'ils veulent tout prendre, ils peuvent. J'ai trouvé une fille que j'aime. Son nom est Luna. Et je m'y tiens. C'est tout. Votre thé. Quand me soutiendras-tu? Quel type d'amis penses-tu? Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de frère du tout. Tu n'es pas semblable à toi-même. Mes sœurs me rendent complètement fou et hors de moi. Parfois, je veux partir pour eux et avoir la paix. Ouais. Eh bien... Cela semble un peu ridicule lorsque je le dis à haute voix. Mais elles se disputent
comme chien et chat. Et je ne pense même pas qu'il en veuille un seul. Quoi ? Cela arrive souvent ces jours. Comment dire ? Oh ouais, ça nous arrive. Tu sais quoi ? C'est bien. Je suis honnêtement... J'ai mal à la tête. Et je suis simplement venue ici pour me détendre et... passer un week-end paisible sans aucun conflit. J'espère que cela ne va pas causer de désagréments. Non, évidemment pas. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Si je me mets en genoux pour demander en mariage, accepteras-tu? Avez-vous l'intention de le faire? Oui. Bébé, je t'aime. Bien sûr, je veux te marier. Mais ne penses-tu pas que c'est peut-être un peu trop hâtif pour prendre cette décision? À moi, Sophie a décidé que je veux passer ma vie avec toi. Oui. Bien sûr que je vais t'épouser. Mais tu dois rencontrer ma famille pour que ce soit officiellement. Tes parents? Eh bien, ils sont décédés dans un accident de voiture il y a des années. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Tout est en ordre. Probablement juste voir mes sœurs. Qu'on se peut prévu. Qu'en pensez-vous exactement? Dimanche? Oui. Selon vous, c'est TGRS votre faute. Tu l'as ramené chez toi, père le WKN. Quand VS savait que ce que VS avait dit peut venir. Rappelle que je suis assiégé. J'ai t'avoir purgé. J'étais malin. Je leur ai dit que j'ai voyagé. Ils ne pensent pas que je suis en ville. Continuez à prier, ils confirment. Eh bien, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. Regarde, je... me marier avec elle. Je vais à Seattle, Dim. Kéris, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. J'ai un plan, ne t'inquiète pas. Hope a dit que le plan inclut la vérité pour toi. Votre conseil est ainsi. Je devrais la perdre, n'est-ce pas? C'est le mariage. Le mariage diffère de la relation. Tout mariage basé sur des mensonges ne dure pas. Conseillez-lui simplement de dire la vérité et de la convaincre de rester avec vous. Pas de retour en arrière. Écoutez. Es-tu triste? Alors, pourquoi dois-tu m'appeler ici? Pourquoi pas ta maison si c'est si grave? Je sens simplement que quelque part hors de mon espace est mieux pour cette conversation. D'accord, j'écoute. Désolé, je m'excuse de t'avoir trompé. Il est plutôt malheureux que je n'ai pas pu développer de sentiments pour toi. Vous pourriez penser que je vous ai joué, mais ce n'est pas le cas. Je pensais développer des sentiments pour toi, mais cela ne s'est simplement pas produit. Et avec tout ce qui s'est passé entre nous, tu sais, je pense simplement qu'il est préférable que nous ayons des chemins différents pour le bien de chacun. Alors tu m'as appelé ici pour cracher cette poubelle-là, c'est ça? Tu parais stone, tu sais? Tu m'as attrapé dans ton soba.
Salut, Love. Tu m'as fait patienter. Désolé, je suis ici. Oh, j'ai trouvé tes cheveux maintenant. Je suis sûre que c'est une surprise. Alors, allons-y. Apportez-le. J'ai pas compris. Qu'apportez-vous? L'anneau. Je ne suis pas venu ici pour vous engager. Quoi? Alors pourquoi es-tu... T'as acheté. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais ça ne fonctionne pas. Tu le sais, je le sais, nous le savons tous les deux, ça ne fonctionne pas. Avec ta sœur impliquée, c'est désordonné. Cherchons l'amour ailleurs. Arrête ça, Irène. C'est assez. Tu me taquines, n'est-ce pas? Est-ce que? Je suis sérieux. Apporte la bague, Jerry. En réalité, je suis vraiment très sérieux. Cette personne stupide et irresponsable. Tu ne fais pas référence à moi, n'est-ce pas? Je fais référence à toi. Que pouvez-vous faire? Maintenant, que pouvez-vous faire? Penses-tu qu'il mettre fin avec moi te fera mieux? Le feras-tu la voir? Tu rêves, ma sœur. Tu rêves. Ne peux-tu pas voir la réalité qui se trouve devant toi? Si je ne peux pas la voir, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas la voir, ma sœur. Pas toi. Toi pas. Tu finis aussi, toi? Coupe-moi avec les faux semblants. Coupe-moi avec les faux semblants. Ce jeu est mort-né. Mort à l'arrivée. Il a également mis fin à notre relation. Que dis-tu, bon sang? Menteur. Menteur. Tu es un putain de menteur. Je ne mens pas. Il m'a appelé et dit qu'il a fini avec moi. Je peux te montrer la preuve que j'allais lui envoyer un message. Voir, qu'est-ce que tu racontes? Il a fait? Il a fait. Oh mon Dieu. Il a fait. Oui, il l'a fait. En effet, oui, c'est vrai. Bonjour, salut Nate, salut mon cher ami. Nous souhaitons obtenir des photographies. Oh! Parlez, vous ne savez quoi choisir. Que fais-tu? Non, 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 non. Comme où j'ai été avant. Je t'en prie, ma sœur, fais-moi confiance. Les maisons de Lagos se ressemblent toutes.
Comme si le même designer concevait toutes les maisons. C'est juste. Vous devriez faire mieux, je vous en prie. Je supplie. De toute façon, s'il vous plaît, laisse-le. Mon fiancé arrive demain. Prêt à le rencontrer? Meg, que fais-tu? Ne pas utiliser votre cuillère, je ne sais pas. Compote? Je parie qu'il fuit. Grand enfant, petit nez. C'est ce que tu sais faire. Tu es vraiment gourmand. Ma sœur fait. Jamais joué avec elle. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis-je chercher à boire pour toi? Oui. Oui. Vous vous êtes vus? Vous les gars, tu veux dire quoi, mon homme? Tu veux dire notre homme? C'est le plus grand choc de toute ma vie. Je dois trouver un moyen pour me rendre au village le plus rapidement possible. Ces hommes te menacent, Jay. Je suis sérieux. Qui ne te prend pas au sérieux? Vous fréquentez trois sœurs, c'est un gag, non? Ma coïncidence. Avec une tonne d'attaque spirituelle, pensez-vous? J'adore Luna. Je l'aime complètement. Mon dernier souffle. Sa réaction, détends-toi, ne montez pas. Et qu'as-tu fait? J'ai dû partir pour ma sécurité. Je pensais devoir rester là-bas. Et elle est ton dernier souffle. Ça ne vous importe pas. Vous n'avez pas assez bien respiré, parce que quelqu'un que tu aimes s'est enfui. Au lieu de choisir entre elle et sa sœur pour la faire se sentir spéciale, tu es parti, tu as fui, lâche enceinte. C'est... Qui est-ce? Appelle-moi. La porte est ouverte. Que fais-tu ici? Espèce de salaud! Que fais-tu ici? Je sais le désordre que j'ai causé, mais je ne savais jamais que vous étiez frères et sœurs. Et je suis désolée. Attends. Après avoir imprégné ma petite sœur... Je te le promets. Tu es enceinte? Tu vas regretter de m'avoir cherché. Je vais te mettre à terre et te faire payer pour tout. Je vais venir te chercher. Tu as fait une erreur.
erreur en t'attaquant à la mauvaise famille. Tu as choisi la mauvaise famille à attaquer. Regarde. Je suis désolé. Eh bien, je suis venu ici pour vous dire, les gars, je suis vraiment profondément amoureux de votre sœur Luna. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rompu avec vous, les gars. Regardez, je souhaite vraiment que les choses ne se soient pas passées comme ça. Mais je crois que Dieu a une raison pour tout ce qui arrive. Et je veux juste vous demander votre soutien. Surtout maintenant qu'elle a votre nièce, où vous savez, nous avons besoin de votre soutien pour passer à la prochaine étape. Oui, partez simplement. Tu l'as entendu. Partir. Déplacez-vous. Sortir. Sortir. Allez, tirez. Oh mon Dieu, je pousse. Je peux vaincre pour you. It's so sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same part of man is responsible for it. What will you stand to get when you break the hearts of others? Those who love and care for you. Don't play with the heart and give yours to another. Don't raise the hope and you leave them hopeless. Don't act so pure when your heart is pretending. Tu sais, ça ne t'aidera en rien. J'ai perdu mon travail. Que s'est passé? Merci à Violette. Je me souviens comment elle a éventré le gars. Il n'est pas à son meilleur là, Dan. Ne le sélectionnons pas, Nicole. Il était présent partout. Votre frustration est encore de manger le choix. Puis-je avoir les clés de ma voiture? Je n'ai pas le temps. Mes clés! C'est juste ici, à cet endroit précis. Ceci est pour toi. Don't raise the hope and you leave them hopeless.
Comment ça va? Comment ça va? Comment va le bébé? Je t'aime, Cass. C'est ta faute d'avoir joué mes sœurs. Mais ce n'est pas ta faute si nous sommes tombés amoureux ainsi. Merci de m'avoir sauvé, même sans devoir. Les circonstances sont hors de notre emprise actuelle. Vos affiliations avec mes sœurs, cela ne nous permet pas d'être ensemble comme nous le voulons. Alors, j'ai pris la décision de ne pas retirer. Je peux pas, Kiss. Pour être impliqué dans la vie de votre enfant, coparentons. Je suis conscient que nous sommes tous déçus de nos actions. Je tiens à m'excuser sincèrement pour le rôle que j'ai joué dans cette situation difficile. Et en même temps, aucun de nous n'avait anticipé que tout cela se produise. Mais cela s'est produit. Et la chose la plus importante est comment nous avançons. Nous sommes une famille. Et la famille conquiert tout. Et depuis que nous avons perdu maman et papa, la seule chose que je souhaite pour nous, c'est de vivre ensemble dans la paix, l'unité et l'amour. Et je ferai tout pour y arriver. Donc, aussi passionnée que je sois de Case, je ne vais pas me marier avec elle. Je préfère choisir nous et notre relation plutôt que lui. Je vous aime tous, les gars. Je t'aime aussi, mon amour. Tu es tellement important pour moi. Promets simplement d'être là pour moi. J'ai un soutien total. Nous serons toujours là pour toi, bébé. Montre-moi. Tada! Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Luna, je vais t'expliquer en détail. Montre-moi simplement. Luna, je vais t'expliquer maintenant. Maman, tu es la plus jeune parmi nous, mais je n'ai pas honte de dire que tu es la plus sage. Quelque chose pour lequel je suis agressée sexuellement, tu es tellement moins éclairée que moi. Tu es enceinte de lui.
quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas vous passer de lui. S'il vous plaît, pardonnez-lui. S'il vous plaît. Non sécurisé. Tu l'aimes. Et il t'aime de la même façon. J'ai eu une discussion avec Scarlett au sujet de tout ce qui s'est passé et il s'est excusé pour tout ce qui s'est produit. Donc, tu es ce que tu es actuellement pour lui. Et nous lui avons rendu tout ce que nous avons collecté de lui-même. Donc actuellement, ce qu'il chérit, c'est toi. Et nous sommes tous solidaires, chérie. Je t'aime, ma sœur. Je t'adore, ma chère sœur. So sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same part of man is responsible for it. What will we stand together when you break the heart of others? Those who love and care for you. Don't play with the heart. Sad to see the heart melt of the sea. So sad to know the same part of man is responsible for it. What will we stand together when you break the heart of others? Those who love and care for you. Don't play with the heart. Do today.